Moi, personnellement, ça fait 40 ans que je fais du journalisme politique. C'est la première fois que je vois autant de gens demander des selfies. Je n'ai vu ça que pour des chanteurs auparavant. Il y a un mythe, Jordan Bardella. Alors, je ne sais pas si c'est un mythe, je ne suis ni chanteur ni acteur, mais on aime les Français et moi, je fais de la politique avec eux, au milieu d'eux. Je revendique d'être l'un des leurs. On faisait de la viande à 32 francs le kilo. Les gens qui travaillaient bien moins cher qu'aujourd'hui achetaient cette viande quand t'avais pas de problème de pouvoir d'achat. La viande est devenue très chère et le paysan ne paye plus. Toutes les grandes puissances, elles font du patriotisme économique. Elles subventionnent les nouvelles technologies. Elles simplifient. Elles protègent leur marché intérieur. On rend obligatoire des normes pour les produits qu'on importe de la même manière qu'on les rend obligatoires pour les agriculteurs ou les entreprises françaises. Mais ça, c'est du bon sens, c'est pas de la politique. Il y a un engouement qui est certain aujourd'hui en faveur du Rassemblement National et en faveur des idées que nous portons. Donc, c'est peut-être bon signe pour cette campagne des élections européennes et ce vote du 9 juin. Jordan, on va être avec Jordan. Hein. Merci à vous. Levez vos verres à Jordan. Hein. Tout le monde vous adore. Merci infiniment.